Disclaimer. Disclaimer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est qui excès? Val d'Isère Championship! On vous gâte! On s'est dit c'est l'hiver! Quel jeu fait plus hiver que Val d'Isère Championship? Sur Super NES! En plus, je ne saurais te dire. Alors Lola, vas-y! Alors je tenais à remercier. Putain, j'arrive même pas à lire les noms des gens. Bon, je vais lancer le truc parce que. En tout cas, moi je tenais à te remercier Lola parce que c'est toi qui nous as trouvé une magnifique liste de jeux d'hiver, de jeux de Noël. Et... Enfin, jeux où il y a de la neige dedans. Voilà, hein, on va faire un peu large parce que les jeux de Noël, il n'y en a pas des masses. Alors malheureusement, on n'a qu'une seule manette, donc il va falloir qu'on joue tour par tour. Et les options. Ah, alors. Freeride, snowboard. Code, il y a des codes. Oh putain, vas-y, loue mon téléphone. J'avoue. Et contrôle pad, j'ai juste regardé un peu les touches. Alors, sauter avec A. Ralentir avec X, accélérer. Putain, c'est pas très intuitif. Hein. Et c'est quoi le. C'est... Tu fais du quoi là? Et pour méga. Le snowboard? Je sais pas, je suppose. Ah, tu peux méga turn left ou méga turn right. Waouh! C'est un méga turn. Non, mais ça me donne trop. Speed up, jump, slow down, left, right. Ok, au moins la gauche et la droite sont à gauche et à droite. Ouais. Là, on est bon. Comment je fais pour aller en arrière? Je sais pas, fais B. Y. X. Ok, très bien. Start. Ouais, mais là, du coup, je vais dans les codes. Oh, merde. Alors, attends, je vais essayer de... Attends. Vas-y, continue à... Free ride. C'est ça que je fais? Ah, play. C'est bon. T'as réussi à trouver? Oui. Ok. Excusez-moi. Oh, putain. Oh là là. On dirait une vraie carte de... Attends, mais tu dois faire tout ça? Mais c'est une carte du Val d'Isère. Non, je suis con, ouais. Y'a pas de mystère, Pedi. Qu'est-ce que je te dise? Code Val d'Isère Championship. Oh putain, sponsorisé par Fila. C'est vrai que c'est Fila, moi j'ai toujours cru que c'était Fils quand j'étais petit. Eh ben non. Oh là là, c'est jaune. Ça veut dire que c'est bien, non? Ça veut dire que des gens sont morts. Les gens ont fait pipi dans la neige. Non, faut pas manger. Wow! Freestyle! Faut pas manger la neige. Wow! Ah, mais en fait, c'est ça que je fais depuis tout à l'heure, c'est du freestyle, c'est pas une course. Je crois, ouais, parce que t'as choisi freestyle, non? Qu'est-ce que j'ai vraiment choisi? Je me suis fait emporter par le menu. Val d'Isère Championship sur Super Nintendo. Voilà, alors voyons voir ce qu'il nous propose comme code. Oh putain, c'est le vomitron. Oh là là! Oh yeah. Non, mais tu gères bien, hein? Ouais, mais ils sont où mes points? Je fais quoi là? Bah, tu fais du freeride, meuf, c'est le principe, c'est que tu t'éclates juste. Ah, pardon, je m'éclate! Wow. C'est le principe des fêtes un peu, tu vois, on s'amuse, Ouais, on fait la fête. Mais enfin, il n'y a pas de... J'espère que vous avez des snowboards chez vous. Toi, tu rentres pour les fêtes, toi? Ouais, je vais voir mon papa et ma maman, ma petite sœur et mes chats, tout le monde. Ah bah ça, tu vas passer de bonnes fêtes, alors. Ah oui. Parce que c'est vrai que de façon générale... Personnellement, les fêtes, ça a toujours été un truc un peu relou. Enfin, tu sais, c'est soit les fêtes, c'est vraiment le truc insupportable parce que tu peux pas blairer ta famille, soit au contraire, c'est sympa parce que t'as une famille cool. Et la plupart du temps, les fêtes, oh bah dis donc, t'es pas allé bien loin. Hein. Ah, il me remonte à chaque fois, regarde. Tu n'as fait que ça, tu es mauvais. Oui. Alors, source Val d'Isère. Non, il y a pas de code. Il y a pas de code référencé au moins sur le site de référencement qu'on ne citera pas. D'accord. En même temps, c'est un jeu de niche. Hein, ah, je pense aussi. Alors attends, peut-être sur Katawiki. Katawiki, c'est quoi? C'est un wiki sur les catamarans ou... Exactement. Du coup, c'est pas très. Nous, on fait pas du catamaran là. On fait du Val d'Isère. Oui, du Val d'Isère. Ce n'est pas un sport. Ah oui, moi j'ai fait du Val d'Isère cet été. Profiter de tous les avantages. Je m'en fous. Alors. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des codes non plus sur ce site. Donc flûte, voilà. Bah écoute, on va faire du freeride. On va juste profiter de la neige, hein. La neige jaune. Même si j'aimerais bien faire des trucs avec les petits portiques là, les petits... Du slalom? Ouais. Comme on dit chez nous. Oui, enfin ça va, t'as du bonjour. Vocabulaire, voilà. Ah, slalom, putain, ouais. Moi je suis pas... Bah non, mais après c'est... Oula. Oh. Et Thierry est décédé, voilà. Ah oui, comment il s'appelle ton personnage? Il s'appelle Thierry. Il s'appelle Thierry. Ouais. Très bien. Oula. Checkpoint. Ok, d'accord. T'as gagné du temps. Donc choisis à droite ou à gauche maintenant. Bon bah toi t'as choisi au milieu, rien à foutre. Est-ce que j'ai vraiment choisi encore une fois? Je me pose la question. A-t-on vraiment le choix? En fait ça se trouve c'est l'écran titre depuis tout à l'heure, tu sais, qui boucle, qui montre des images de gameplay. Je suis pas en train de jouer. Non mais tu te débrouilles plutôt bien là. Ah bah écoute, c'est plutôt... J'allais dire c'est plutôt facile, et puis le moment où je dis ça, voilà. Et est-ce que tu peux faire des méga turns pour le coup?
Ah ouais, d'accord. T'as vu? Ouais, mais là, tu mets Gator dans le vide. Ah, Thierry! Oh! Regarde où tu vas quand même, fais un petit effort. Ah, il est chiant, il est chiant. Tu vois, il a voulu se relancer trop tôt depuis son accident de ski en 2012. Il s'est dit non, mais c'est bon, maintenant mon genou, ça va mieux. En 2012, et regarde le résultat. Ce jeu est pas sorti en 93? Oui, mais il a eu un accident en 2012, ça fait longtemps que Thierry fait du snowboard. Non, écoute, je ne juge pas, hein, mais. Attends, il me semble que c'est 93. Bon, vas-y. Tu peux lui trouver un nom de famille? Thierry. Bimblor. Bimblor? Ouais. Ah bah, il vient de quel pays, Thierry Bimblor? De Pastaroni. De Pastaroni? Ah, donc c'est près de l'Italie. Exactement. Ouais, ça ouais, voilà. Mmh. C'est... En fait, c'est dans les Alpes. Ouais, c'est bah dans les Alpes du Val d'Isère. C'est où les Alpes? C'est où le Val d'Isère? Je sais pas, mais en tout cas bien on avance dans bien. Les Alcos géographiques. Ouais, le dessous des cartes, mais c'est vraiment le niveau dessous. Mais vraiment dessous. Ouais, voilà, c'est là on creuse, on creuse la carte. Ah putain, donc Thierry Bulborb, non, comment tu l'appelais? Mais non, Thierry Bimblor. Ah, Thierry Bimblor. J'aime bien Bimblor. J'ai envie d'imaginer sa vie à Thierry. Où est-ce qu'il a acheté son super manteau déjà? Parce que, ouais. Putain, c'est... Ah mais ça, il les a achetés, il l'a acheté dans les années 90, ça se voit. C'est obligé. Mmh. Ouais. C'est le côté fluo. Non mais en plus, tu fais de jolis tricks et tout, tu fais tout le temps... Regarde-moi ce mode 7. Non, mais Thierry, mais... Comment il est trop doué. D'ailleurs, fun fact, le mode 7, il a été inventé, enfin il a été créé avec par Nintendo, mais enfin ouais. Sur Super Nintendo, ouais. Mais il a été, il me semble, développé par Argonaut Software. Et qui c'est donc? Argonaut Software, c'est ceux qui feront des années plus tard Croc. Ah, le fameux Croc. Exactement. Le jeu moche avec un crocodile. Eh. Hey je veux dire le jeu qui est en dehors des standards de beauté, mais qui... il est très bien, Croc. On y jouera un jour. Il a une belle personnalité. On y jouera un jour, tu verras. Le jeu est très cool. Le gameplay est très mauvais, mais... Mais non, moi je suis sûr que c'est très très bien. Et là, pour le coup, ça se maîtrise bien, ça? Ça se jouote? Franchement, moi qui suis une bille, je roule. Enfin, je glisse. Non, boule de flipper, tu roules. Mais ah, pardon. Une bille, tu rotes. Je rote? Oui, tu rotationnes. Enfin, tu sais comment on dit? De faire tourner, c'est quoi? C'est roté ou c'est rotationné? Ça a toujours été une grande question. J'ai envie de dire rotationné parce que roté, ça sonne. Bah voilà. Bah quoi. Ouais, ça sonne dégoûtant. Attention, je vais roter! Non! Oh, bah Thierry, tu fais des bonnes blagues! Tout le monde s'appelle Thierry dans les histoires. Faut peut-être. Non, Lola, c'est l'esprit de Noël, c'est l'hiver, donc faut tous leur donner des. Faut trouver que des noms de monotski. Et Thierry, c'est pas mal. Ah oui, alors il y en a un, il s'appelle Jérôme. C'est trop un nom de mono, Jérôme. Ouais, effectivement. Ah oui. Jean-Jean. Jean-Jean, mais c'est pas un vrai nom, ça. Ah bah si, moi je peux dire qu'au ski, moi j'en ai eu des Jean-Jean. Des Jean-Jean? Ouais. Genre c'était leur prénom ou leur prénom? Leur prénom. Jean-Jean. Non mais t'as été où? T'as été à Jean-Jeanville. En fait, c'est comme les Schtroumpfs, tout appelle Jean là-bas, tu sais. Oh bah alors Jean, bah j'ai bien... Passe-moi le Jean. J'ai bien Jean-né aujourd'hui. Oh bah... Dis donc Jean, tu es quelqu'un de bien, on peut dire que t'es un jambon. Bienvenue à Jeanville. Où tout le monde ici s'appelle Jean. Oui, alors là je vous présente. Alors faut savoir par contre que la ville de... Enfin Jeanville n'a pas été créée à l'âge de pierre, parce que sinon ça aurait été le bordel. Hein. C'est peut-être Pierre Jeanville. Pouette. T'as piqué mon tic de blague. Ouais, de dire pouette. Je l'ai pas piqué, je te le... Déjà je l'ai pas piqué des hannetons. Des fagots. Et voilà. Non, je te rends hommage, là. Tous les jours de ma vie, je me réveille le matin, je te rends hommage déjà en mettant un pied en dehors de mon lit. Oh, parce bah que je sais que tu le fais toi aussi. Oui, c'est voilà. Vrai. Et c'est après, vrai. J'inspire et j'expire comme toi. Oui, c'est vrai. Là, en ce moment, écoutez. Ouais, alors c'est un peu encombré hein, sur la 6, là. Mais... Ah, pardon. J'ai un chat dans le nez. Non, c'est parce qu'elle a vu le petit boule de Thierry et là, c'est vrai qu'il fait bavé. Hein. Thierry. Oh là là. Eh, hey, fais attention à pas le. T'ont laissé sur le carreau, Thierry. Mais je comprends pas, PJ. Oh là là, avec toi, c'est toujours bizarre ce que tu dis. Ça serait mieux que tu gardes la bouche motus et bouche cousue. Non. Oh la vache. J'ai raté. Ah, je t'ai vu sortir les rames. Freestyle sur la neige. Freestyle dans les mots. Sur la blague, voilà. On est en mode full freestyle. Full freestyle. Et après, on fera du free fight aussi. Ah non. Non. Non, Thierry, il est pacifiste. Ah, il est pacifiste que ça. Non, il est pas... Oh mon dieu, il est pacifiste, c'est horrible. Oh. Oh. Il est plus kick que fils. Thierry, tu vas fistiner? Oh bah, moi je suis pacifiste, tu sais. Non, c'est malaise. Attends, il a des enfants, Thierry, ils vont peut-être écouter l'émission. D'ailleurs, ils devraient pas, parce qu'ils sont... Peut-être qu'ils adorent les marionnettes, les enfants, tu sais pas. Ah là là, pourquoi?
tu aimes bien avoir des mains dans le cul, Thierry. C'est comme papa. Oh. Oh merde. Et des fois, ils se font des soirées à thème. Une fois, que... c'était Jeff Panaclock. Il y en a un, il faisait Jeff. Et le type faisait la... Et l'autre, il faisait Panaclock. Oh merde. Oh merde. Je crois que les mecs du Muppet Show, ils vont à la Fistinière. Ah mais, oh putain, mais ça serait un sketch à fait. T'as Kermit qui arrive, franchement. Je sais pas faire la voix de Kermit. Ah, ah, ah bah, mais c'est payé. Ah bah, je te laisse, je vais me faire un petit kiff. Voilà. Je vais acheter le Fistine. Oh. J'espère qu'à ce moment-là, t'as mis le gif de Kermit avec les bras en l'air. Évidemment, évidemment. Bon alors, on a la première impression sur Veldizer. Eh ben, les contrôles sont étrangement agréables. Ah ouais. Et je trouve que graphiquement, ça envoie du bois. Donc on a de quoi faire un deuxième épisode, tu penses? Oui. Hein, et je te donnerai la manette et on fera peut-être un autre mode que le freestyle. Il y a peut-être un truc un peu plus challenge parce que là, c'est trop facile pour moi. On est d'accord. Hein, ouais. Parce que je t'ai vu, là, Thierry, tu le maîtrisais à fond. Bah bien sûr. Il n'y a pas de challenge. Peut-être que la première fois, non. C'est pas ça. La prochaine fois, je voulais dire, on aura un autre personnage. Ouais. Peut-être pas Thierry. Ce sera peut-être Étienne. Ou... De Poitiers. Erwan. Ah, de quel week? De Plougastel. Plougastel, j'adore. Ouais. C'est comme les fraises. Non. Si? C'est-à-dire que tu ramènes des trucs à Plougastel? Non, mais il y a des fraises de Plougastel. Oui, mais si tu ramènes des fraises. Ah, tu ramènes... Ah. Attends.